وضرب جاء الوقت انه الشعب الجزائري يتحرر منكم. انتوما انتوما عندنا بالاستعمار، انتوما الكلب بني الكلب، انتوما الايادي الخارجيه والارجل الخارجيه والايدي الخارجيه والامخاخ الخارجيه، وانتوما سبب خلا الجزائر كما قال مرابط الطاهر، سبب خلاها حكامها انتوما. انت اصلا يا تبون رايح تهضر مع الفيغارو وتقول يا ان ابيزمون، كال ابيزمون، نحلبوك الكلب، كال ابيزمون يا خماج، شعب كامل راهو برا، ناس يدخل الحبس على الاراء نتاعها السياسيه، اي تو بارل دابيزمون، كال ابيزمون يا طحان. وانت كي رحت للمينيستر دو لا ديفونس تقول طفل صغير داوه لافيت فورين ميت بالفرحه يا كلب من كلب، مي توي لو كوموندون دي زارمي سي توا كي ديسيد، انت توي اودلا دو شيف ديتا ماجور. لكن شفناك كان معتوه عقليا في الكاري تاع ساحة الاعلام. لا جو بارل اون كونيسونس دو كوز. اي بي لا بروشين فوا ابغل لا كون جيت صح بريزيدون دو لا ريبوبليك كوموندون اون شيف دي زارمي، ماشي واقفين عند راسك كي الجدارميه وانت قاعد في بيرو تحطهم بكل في طابل درينيوك تي بريزيد. نعلبوك ان شيف دايره انكومبيتون دين الرب حاكم الجزائر، وكاين الناس يقول لك سلميه سلميه الوغ كو الشعب قاعدين يقتلوا فيه بالالاف، ماشي بالرصاص، بالامراض، بالاغذيه، بالادويه المدرحه، قاعدين يقتلوا في الشعب. يجي يقول لك سلميه سلميه اقوى من رصاصهم، ما يضربوش فيك بالرصاص، هم يضربوا بك في حرب واحده اخرى. اي اون لافي دي بليزيور فوا مسيو رحمن، سيت اون اوتر غير، سيت ان جينوسيد، سي ان جينوسيد، إبادة، عملية إبادة ضد الشعب الجزائري. vu l'alimentation déséquilibrée et l'alimentation on appelle ça empoisonnée مسمومة، tombe malade et il y a pas les traitements pour les guérir de toute façon. Donc c'est un génocide qu'on appelle programmé. Plus que ça. Plus que ça. La plupart des pesticides utilisés en Algérie actuellement et les engrais utilisés en Algérie de manière informelle, c'est des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne vais pas la traduire. Fahmouha ou l'akhtore sa koumul khair. Donc, M. Rahmani, ça, Et vous kreufez comme le sem, la marge que je n'ai pas, il y a des oulades qui sont chargées de mon salbek. Ou mon salbek, c'est où j'attaque. Perturbateurs endocriniens, oui, alors... C'est des perturbateurs endocriniens. اسك نسكتوا على الشيء هذا؟ اسك نقبلوه؟ هذا ماهوش حتميه، هذا عمليه اجراميه ضد الشعب الجزائري، هذا جريمه، جرم ضد الشعب الجزائري، راه واقع. سي رحماني، المينيست على لا سونتي il déclare ouvertement qu'on n'a pas les moyens d'acheter certains médicaments pour les cancéreux, alors que la facture à la prise en charge des responsables algériens, que ce soit dans les hôpitaux français, espagnols et belges, elle est de 150 millions de dollars. Voire plus. Voire plus. Yeah. Voire plus. En une année, alors que... Voire beaucoup plus. Le miskin, il n'y a pas de doigt. Il n'y a pas de doigt en plus de ça. Non, mais il n'y a pas de doigt. Voilà, on me cache. On n'a plus... L'antibiothérapie. Les gens qui sont dans le domaine médical peuvent comprendre mon discours. L'antibiothérapie actuellement en Algérie, tellement les antibiotiques sont mini-dosés ou mal-dosés, ne sont pas efficaces. Ça veut dire quoi? Ils créent après une résistance par rapport aux pathologies, n'est-ce pas, madame? Ça, la résistance, elle dit, avec je mène ça, être résistant à une antibiothérapie. Bien sûr, après l'âme de la bronchite, tu te sens de l'âme, les voilà, certes, mais tu te sens. Non, monsieur, mais au-delà de ça, Sandrine, madame, vous êtes beaucoup plus compétente que moi. L'antibiothérapie, ce qu'il fabrique, n'est pas efficace. Même pas la molécule, ce qu'on appelle la molécule mère, elle est inactive. Mais, c'est-à-dire à l'intérieur, il doit y avoir un placebo. Et comme tout le monde est complice, quand elle passe au contrôle, ils disent que c'est OK alors qu'il n'y a pas de principe actif. Un des laboratoires, je parle pas de Saïdal. Saïdal, malheureusement, ils l'ont détruit parce que ça a été un très bon laboratoire et j'espère que
ceux qui travaillent au Saïdal, un jour, ils vont se réveiller. C'était censé être un fleuron. D'accord, le fleuron. De l'industrie pharmaceutique en Algérie. Des laboratoires privé. Production privée qui appartiennent aux enfants de généraux. Et je le dis, je peux même citer un. Ils utilisent les principes actifs périmés. Ils ont zéro périmé. Un laboratoire pharmaceutique dans le monde où à la fin de l'année qui déroule le bilan, ils ont zéro périmé. Et bien, ce laboratoire, ils ont zéro périmé. Ça veut dire quoi? Ils reprennent les générations. Ils vont le broyer. Qu'est-ce que je veux le broyer en arabe? Il est inefficace et il est périmé. Et il provoque une résistance. Il provoque une résistance. Et en fait, mais dawish. C'est-à-dire, le laboratoire pharmaceutique, il faut l'être fait. Chacun, il fait mot. Non, c'est mieux. Pharmalife. Pharmalife. Par exemple. On me dit au bouc, de toute façon. Au gars qui fait, parce que gars, ils ont zéro périmé. Alors, on a un goût de chef de Zahiri, Medzidouche, Chili ou Pharmalife. Par exemple. Tout simplement, vous boycottez ce laboratoire. C'est la fille d'un général, la Marie, ils arrêtent d'acheter parce que c'est du périmé. Et tous les laboratoires privés qui appartiennent aux enfants de généraux, vous devez les boycotter. Vous devez les boycotter. Medzidouche, Chili ou Saïdal, oui. Mais Medzidouche, les laboratoires privés. Déjà, un. Qui bidait au boycotté ou des laboratoires et taïho? Parce que, machi, t'es samoum. C'est-à-dire, ils vont prendre, les médecins qui prescrivent des laboratoires, t'aignez, vous boycottez le médecin. Et c'est comme ça qu'on tue une entreprise. Je suis désolée. N'est-ce pas, ou t'as choudouam d'arrah? Madame, vous avez tout dit. Vous boycottez. Aignez, vous n'avez pas. Elle a plus que vous boycottez. Vous boycottez. Vas-y, douche, tu dis où est-ce que tu dois. Et rien de violent. Je ne suis pas violente, mais doit me. Plus que boycotter. C'est tout. Je suis chez vous. Je suis au Saïdal. Il y a quand même. Un minimum. Les gens au Saïdal, c'est des gens, c'est des nationalistes, c'est des gens crabes. Ou maïlish. Mais je suis au Saïdal. Mais je suis au Saïdal. Les laboratoires privés qui fabriquent en Algérie. Point. FM, YFM. Parce que ça appartient. Ils appartiennent tous aux enfants de généraux. Voilà. Allez. Donc, ils n'ont pas de contrôle, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils diront, j'ai habou, je m'en rends. Mais ils ne font pas le contrôle. Même qu'ils ont le droit à le contrôle, parce qu'avec le contrôle, laboratoire de contrôle, je préfère m'arrêter là parce qu'il y a trop à dire. Non, il faut expliquer aux gens. Vous avez démarré, madame Kemeli. Le laboratoire de contrôle, qui pas. Tu vas être le médicament, ben, j'ai dit que bon ou pas bon. Moi, je veux tant. Oui, avec l'autorisation, ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. L'AMM. C'est bon, elle dit que le ministère, il signe. Parce que l'AMM, c'est au ministère. Qu'est-ce qu'il y a de mon ministère? Ministère de la Santé, que ce soit le ministre ou tous les caraos. Parce que les générations, c'est des pharmaciens, des médecins. Qu'est-ce qu'il y a de mon ministère de la Santé? Pour qu'ils donnent une autorisation sur mise sur le marché, ici, à l'étranger, mais chacun avec une autorisation de mise sur le marché, il faut des études, il faut des preuves que le médicament, il est efficace. Il faut que ceci. T'aimes pas, t'aimes l'autorisation de mise sur le marché parce que c'est la fille ou le fils d'un général. Ou t'as le doigt. Et alors, mais forcément. Mais. Il y a chef de Zahir. Il y a un comme boycotter les laboratoires pharmaceutiques, les chèques de Zahir. C'est ce qui explique Belli, ces phares algériens en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou l'aide pharmacie centrale.